temps sur la salle. Et coupe un mot possible vite, au bas de soi-disant camarade, qui va en aller. Les temps passent, fait la manse et fait la casse. Comme le tigre était-il la famine, même mal travail. Théâtre, cette N-Band-là, ils font partie de l'art. Et quand nous causons théâtre, nous causons surtout l'épanouissement avant tout de mon artiste eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est mon artiste-là, vous êtes aussi développé, vous êtes confiant en eux-mêmes, vous êtes capable de développer la concentration, le self-esteem, et mon communication skills qui est important pour n'importe qui du monde dans la vie. Et malheureusement, nous connaissons nous aujourd'hui qui nous sommes jeunes surtout, vous êtes capable d'avoir une qualité académique, mais d'autres manquent beaucoup le côté communication skills. Et c'est ça qui est capable de permettre à travers le théâtre de développer. Nous, notre but, c'est qu'il nous capable de développer une industrie de théâtre. Et en même temps, avec l'industrie du théâtre, c'est l'industrie de la cinématographie qui nous a envie de développer parce que c'est un bon pilier auquel nous pensons, nous, qui nous capable d'amener pas seulement un Mauricien qui a un travail, mais aussi faire comme l'île Maurice. Et aussi, comme on connaît, nous avons l'intention pour que l'île Maurice connue à travers un film qui nous encourage un étranger à venir. Mais c'est un étranger pour venir et peine suffisamment un support local. Naturellement, ce n'est pas pour encourager de venir. Que ce soit en termes de technicien, que ce soit en termes de figurant, l'important qu'il nous capable de développer cette industrie théâtre-là pour capable venir pour nous montrer nous aller et surtout, en même temps, pour nous développer notre talent artistique et pour nous créer un vrai théâtre mauricien pour qu'il nous capable de créer et nous épanouir nos talents et nous faire notre propre population et apprécier aussi le théâtre comme un art. Il est vrai qu'il nous pénètre suffisamment d'infrastructures pour mon petit théâtre. Ici, nous avons un théâtre et aussi nous avons plusieurs places que nous sommes capables de faire une infrastructure pour qu'ils nous capables commencent vers le théâtre. Parce que finalement, qui est plus important, c'est qu'ils nous créent l'atmosphère pour qu'ils nous gagnent plus beaucoup d'artistes, nous gagnent plus beaucoup de monde, et à travers ça, naturellement, l'infrastructure pour venir. L'ivré qui nous il y a des théâtres qui sont très connus dans le passé, qui s'est bien servi, c'est à Pau-Louis et à Roseville. Elle là dans une réhabilité, l'autre là aussi, il est en cours de réhabilitation. Mais derrière ça, il ne faudrait pas qu'ils nous laissons, comme si je dirais, limités par une infrastructure qui est importante, mais il n'est pas indispensable dans le sens qu'ils nous capables et dans les autres bandes et infrastructures qui nous permettent sur place. Parce qu'il y en a aussi, théâtre plein air. Par exemple, nous avons et le groupe Comico. Il fait beaucoup en termes de théâtre, même nous avons plusieurs bandes. Je ne peux pas vous dire qui il n'est pas important, mais nous pouvons dire qu'il n'est pas indispensable. Parce que même si nous prenons, par exemple, depuis les trois dernières années, nous trouvons qu'il y a beaucoup de groupes Bojpouli qui peuvent venir, qui peuvent faire du théâtre, qui patinaient avant. Alors, c'est ça que je veux dire, qu'il ne faudrait pas qu'il nous laisse, nous arrête tout le monde là. Si nous avons une volonté, si nous avons envie de faire, nous ne pouvons pas faire.